bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17 pour la suite de la compétition de la Ligue 1. Et comment se fait-il que dans le classement, je suis repassé deuxième? D'accord. Paris est repassé avant moi. Ok. J'étais avant eux quand j'ai fait mon dernier match. Mais là, ils sont passés premier. Bon, c'est pas grave. Je vais avoir les 3 points. Donc, ça me pose pas de problème. Hein. Allons-y. On va jouer en blanc, eux en rouge. Et on va donner le coup d'envoi immédiatement. Hop. Hop. Ouais, elle a raté. Raté, raté. Elle a raté aussi, là. Elle a carrément raté. Bon, allez. Bonjour, bienvenue. Bonjour, à bienvenue qui à vous qui nous rejoignez. Bonjour, Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour, Hervé. Très content d'être à tes côtés. Eh, mais lui, il est amoureux. Hein. L'Olympique Lyonnais face au Stade Rennais. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte que ça commence. J'ai hâte de commenter ce match. L'affiche est belle, Hervé, c'est clair. Les conditions sont réunies pour qu'on se régale. Les joueurs ont hâte de commencer, ça se voit, c'est chouette. À part la pluie. Que l'on retrouve après son bon résultat obtenu à l'extérieur face au FC Metz. Oui, le match était terminé sur le score de 1-0. Et à mon avis, ils peuvent encore gagner. Bien sûr qu'on va encore gagner. En plus, là, on joue à domicile. Ça va être super. On va s'éclater. Bon, j'espère que la casette, tu nous feras un bon match comme l'autre jour. Ça serait merveilleux. Voilà, c'est un stade qui se distingue par une architecture très moderne. Hein. Oui, en effet, les concepteurs ont posé un toit qui court le long des tribunes d'un seul tenant. Au niveau architectural, voyez-vous, M. Batou, c'est quand même une performance. Oui, donc ça veut dire le public est à l'abri de la pluie, mais moi non. Moi non, je peux jouer sous des conditions pluvieuses, d'accord. Par un breton. Ouais, c'est le père du fils, je vois de qui je parle. Et on peut savoir c'est qui le père du fils? Non, parce que il y en a plein, quoi. Donc voilà. Et tout de suite, nous allons voir la composition des deux équipes. Le match qui sera placé sous la direction. Ah, même pas, parce qu'en fait, c'est déjà passé. Ok. Bon, il faudrait que j'aille dormir, moi, hein, parce que là, je dis n'importe quoi. Gonalon. Raphaël. De la ligne de touche. Oh là 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 là, mais non. Ça part fort. Ah oui, c'est le défenseur qui l'a mis en corner, d'accord. Ah, moi, je croyais que c'était moi, en fait. C'est dégagé, ce sera un corner à venir. Encore un corner, allons-y. Ah, lui, il est pas content là. Oh. Allez, Nabil Fekir, tu me le tires bien, s'il te plaît. D'accord, ok, super. Ouais. Vas-y, tire-le de l'autre. Ouais, ok. Le ballon qui ne trouve personne, ça se retouche. Allez! Pedro Mendes. Paul Jordan tête. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. On s'approche du but. Alexandre Lacazette.
Le ballon qui sera en corner pour l'Olympique Lyonnais. Ça va rentrer, ça va rentrer. Eh oh, oh, la 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 la. Eh. Et le tir de la casette. Le ballon qui ne fait plus sort en corner. Allez, c'est le troisième corner, celui-là, ça rentre. But! Oh là là, j'ai cru qu'il allait pas y être. Quand je disais que troisième but, c'est bon, ça, troisième corner, ça rentre. Eh ben, c'est rentré. Comme une lettre à la poste. Petit poteau. Alors. Ouais. Eh ouais. Ah, elle était beau, elle était beau. Ah, elle était beau. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Delson Fernandez. Becher. Allez, l'OL. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ouais, le centre. Ouais. Manque d'application. Sauf que non. Le centre et la défense qui peut éloigner le danger. La 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 la. La 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 la. Hey, oh. Ils reprennent possession du ballon. Oh, la mauvaise passe, il l'a pas regardé où il la mettait. Alors donc toutes les vidéos à partir de maintenant sur ma chaîne ne sera plus en 1080p 60 images par seconde, mais 1080p en normal. Attention à ce coup franc qui sera bien placé. Car j'ai remarqué que quelques personnes ne pouvaient pas regarder selon la connexion qu'ils avaient. Eh oui, je pense à vous. Donc, j'ai décidé de remettre mes vidéos en 1080p normal. Plus en 1080p 60. Groupama, toujours là pour moi. Yo, arrête de me bousculer, toi. Ça va, c'est pas rentré. Ça va, c'est cool, c'est... Voilà, quoi. Il passe... Elle passe largement à côté, donc c'est bon. Dommage, une belle inspiration sur cette passe en profondeur. On s'approche de la zone de vérité. Et il est dépossédé du ballon. C'est un centre. Ah non, c'est pour personne. Les défenseurs qui sauvent son équipe, oh, incroyable. Bien dégagé. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Giovanicio. Et il l'a éliminé, attention. Bien récupéré, bien joué. Nabil Fekir. Ouais, bien placé Fernandez. Ah non, c'est pas bien fait ça. Benoît Costil. Les Lyonnais qui essayent de porter le danger.
a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Ouais, il perd le ballon. Ah bah oui, ouais, non, finalement, je perds la balle. Intercepté. Jakob Asila. La passe parfaitement dosée. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Je l'ai la balle, hein. Je l'ai. Hein. Il sort en touche. Pedro Mendes. Steven Moreira. Attention, il a du champ devant lui. David Fekir. Mais n'importe quoi! Le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager. Ah là, en fait, là, il y a eu un bug. Hein. Ouais. Nous suivrons donc une nouvelle journée de Ligue 1 avec cette rencontre. C'est l'Olympique Lyonnais qui affrontera l'AS Monaco à l'extérieur. Oui, une rencontre qui, a priori, me semble équilibrée. Il perd le ballon. Ah oui, c'est le jeu. Ouais, bien joué le coup défensivement. Et la touche, on l'a vu, le ballon a été dévié. Oh là là. Pedro Mendes. Allez, nous arrivons à... Ça part bien, action dangereuse. Aux dernières minutes de la première période. Jakob Asila. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Les 30 derniers mètres, ils construisent. Ah oui, mais non. Ils attendent l'ouverture. Maxwell Cornet. Allez, fin de la première période. Donc nous allons tout de suite commencer là. Bah écoutez, la seconde période, allons-y, c'est parti. Nous, on va pas faire de... Nous allons pas faire de changement maintenant. Ouais, quel temps pourri. Ben la faute lui. Allez attention, il se rapproche du but adverse. Le centre, attention. Giovanni Sio. Ce sera un corner pour le Stade Rennais. Surtout que bon, elle aurait pu y être hein, largement. Ce sera une touche. Il s'avance vers la surface. Ouais, mais non. Il prend le temps de centrer. Avec les mains sur le gardien. La passe était appuyée, mais le contrôle est bon. Becher. Pozeski. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Le centre est contré. Ça ne donne rien. David Fekir. Oh là là, mais le match, il est vraiment mauvais. Je suis en train de gagner, mais... Je fais n'importe quoi, là. Ouais, franchement, n'importe quoi. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Faute du joueur lyonnais, coup franc donc. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Encore un changement, mais ils sont malades.
Chanteur. On a atteint l'heure de jeu. Pierre, votre avis sur le prochain match du Stade Rennais? C'est le Sporting Club de Bastia que les joueurs vont affronter. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Ne cherche pas le favori, Hervé. Hein. Il ne faudrait pas avoir trop de soucis face à cette équipe. Oh, le but peut-être. C'est bien défendu, mais ça va revenir. Ouais, dans ce cas-là, c'est un corner. Défenseur, corner. Corner à suivre. Allez, là, on va bien tirer. Ça va rentrer dedans. Corentin Tolisso. Ah non. Il a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Ah, mais l'autre, comment ils me font? Il vient lui subtiliser le ballon. Comme j'ai une tête. Damn. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ils attendent une ouverture dans la défense. Elle a pas ce qu'ils sont. Allez, voilà. Alors on va un peu accélérer. On récupère le ballon dans la surface. Tu vas donner ce centre. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et la voilà la frappe. Bon, si je continue à jouer comme une merde. Qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Allez, qui va reprendre ce. Allez, j'ai un blessé, allez. Oh putain. Là, on va mettre Ghezal à la place. Allez, nous descend toi. Hop. C'est parti. Ballon. Cette blessure va contraindre l'entraîneur lyonnais à procéder à un changement. Il ne peut plus. Ah, il peut plus, hein. Bon. Attention, il a du champ devant lui. C'est un centre pour la casette. Et le ballon dégagé finalement. Corner à suivre. Le gardien qui a été bon, hein, sur ce coup. Oui, il a bien anticipé. Alors que s'affiche cette statistique sur les corners. Ouais, la frappe. Allez, nouveau corner à suivre. Waouh. Elle aurait été belle. Oh putain, en plus y'a personne. Ah si, ça va, y'a encore un défenseur. Allez, les 30 derniers on avance. La touche. Ah, cette fin de match qui s'emballe. Il reste plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Peut-être le ballon le plus important de ce match. Il tacle. Le score est de 1-0. Un petit mot peut-être sur le prochain match de cette équipe, Pierre, avant que ça se termine. Les Lyonnais doivent affronter l'AS Monaco ensuite. Les joueurs s'en sortent bien pour l'instant. Ils n'ont pas été à leur meilleur niveau, loin de là. Ghezal qui prend le meilleur sur son vis-à-vis. Il a choisi de centrer. Ouais, du point, le gardien. Oh, comment ça se réveille là. À la dernière minute, mais on se réveille. Quelques minutes à jouer, tout reste possible. Ouais, bien passé Fernandez. Ouais, un bon ballon d'attaque. Belle passe en profondeur. Et la bonne sortie du gardien. Allez, c'est bon. Ce sera la durée du temps additionnel. Vivement que ça siffle. Steven Moreira. Chanteur.
La dernière action. Quelques secondes à jouer seulement. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Alexandre Lacazette. Oh mais non, fallait me laisser. J'étais tout seul. Bon, ça va, on a quand même gagné, c'est bien. Qui empoche les 3 points aujourd'hui. Oui, absolument, l'entraîneur peut avoir des motifs de satisfaction. Un match qui pourrait servir, comme on dit, de référence pour la suite du championnat. Eh bien voilà, c'est la fin de ce match. J'espère que ce match vous aura plu. Moi, ça a été nickel. N'oubliez pas de laisser un petit like ou un petit commentaire sympathique. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à venir vous abonner également sur la chaîne et à la partager sur vos réseaux sociaux. Sur ce, moi, je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. On s'approche du but. Alexandre Lacazette.